Châteaudet fait venir les meilleurs pilotes du monde entier, dans un microclimat exceptionnel, avec les plus belles scènes de ballons que vous pouvez avoir. Quand vous avez les montagnes enneigées avec 80 ballons dans le ciel, c'est totalement unique. Je suis venu à chaque édition du Festival de ballon depuis le premier en 1979. C'est à Châteaudet que je suis entré dans le monde des ballons. C'est comme ça que finalement j'ai eu l'idée de faire ce tour du monde sans escale en ballon. Donc je suis l'ambassadeur du Festival de ballon, c'est un peu le titre officiel, mais même sans être ambassadeur, c'est à Châteaudet que j'ai fait presque toutes mes grandes premières. Donc sans Châteaudet, c'est clair que ma vie ne serait pas la même. Ben, le Pays d'en Haut, c'est l'endroit où chaque fois que je reviens, je me rappelle 40 ans de souvenirs. Hein. C'est les deux tiers de ma vie. C'est vrai que je me sens vraiment chez moi. Là. C'est ça qui est intéressant dans le ballon. On ne sait pas où on va atterrir, mais on sait qu'on va avec les forces de la nature et on ne peut pas aller contre. Et si vous voulez vous diriger, il faut changer d'altitude pour prendre un autre vent qui a une autre direction. Et moi, je pense que dans la vie, c'est la même chose. C'est pour ça que pour moi, le ballon, c'est une philosophie beaucoup plus qu'un sport.